Et salut, bonsoir à tous. On se retrouve dans le canapé de la Solary TV pour tester Aiden Agenda, un jeu qui est sorti aujourd'hui avec une nouvelle veste, un magnifique. Regarde, montre comme elle est belle, vas-y. Mets-toi debout, fais un petit truc de mannequin. Wow. C'était comme. Attention! Le micro! Wow. Disponible sur la boutique Solary. Voilà. Exactement. On a aussi les petits bonnets. Les bonnets, juste là. En blanc et en noir. Un défilé de tête. Monte ta tête. Wow. Trop beau! Trop beau. Attends, il y a un mannequin qui passe apparemment. Il y a un mannequin qui pousse aussi, hein. Attention, hein. Regardez. Regardez, il va faire un petit défilé. Hein. Regardez ce qu'on a. Waouh. Oh, wow. Dame. Je veux trop ce beau. Pull. Trop beau le pull. Waouh. Mannequin de test. C'est vraiment le mannequin de test, Diego. Voilà, donc cool. Voilà, on va tester Hidden Agenda qui est sorti aujourd'hui. Donc ce n'est pas une OPSP, hein, vu qu'on a payé le jeu sur le PlayStation Store de notre propre argent. Même pas, on a dû payer sur internet parce qu'il n'est pas disponible sur, dans les boutiques. Et on va donc tester ça. C'est ceux qui ont fait Until Dawn. Donc c'est Supermassive Games qui a créé le jeu Until Dawn. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'était un jeu narratif un peu horreur ambiance. Et donc là, on va commencer le jeu en mode rivalité. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes 5 à jouer. Vous avez les noms des gens tout en bas. Ouais. Donc Chapka, Alan, Melon Wax et moi-même. C'est parti, tous les mains. Et on joue au tactile sur nos téléphones. Donc en gros, il faut savoir que... C'est relié au tel en fait. Voilà, c'est relié au tel en Wi-Fi. On aura des infos sur le tel et tout. Ouais, c'est ça, on aura des infos sur le téléphone. On pourra regarder dans notre truc. Regarde, tu as le journal et tout. Putain, c'est quoi? Tu peux cliquer sur le journal, biographie. Il y a les règles. Donc là, tu as les règles. Ah, il y a les choix. Donc on peut regarder les règles, attends. Non, donc, on choix. Regarde pas les règles, justement. Quoi? Mais si. Mais c'est mieux de pas regarder les règles. Mais toi, t'aimes trop pas regarder les règles, t'es trop chiant là. Mais c'est mieux, comme ça, t'es obligé de réfléchir pour comprendre comment est-ce qu'on joue. Mais autant comprendre direct, et comme ça, tu réfléchis encore mieux, une fois que t'as compris les mécaniques. Pour réfléchir, c'est mieux. Ouais. C'est normal, toi, t'as pas le cerveau. Allez, go. Hop, allez, on y va. De l'imbécile heureux. Team No Brain. Ok. Attention, pause. Là, ça va être une histoire. C'est fou, regardez ces effets. Oh. Ripple effect now. Spreading the cigarettes of a single event. Il faut que je mette plus de luminosité parce que moi, je vois rien. Monte le son. Chacun le façonne. Oh! Melon a mis. Bah super! Mais non, t'as mis la partie en pause! Oups! Chacun de vos choix façonne le futur. T'as la seconde pour augmenter le son? Certains affectent les relations. Une bêtise. Non, j'ai ça. Ça va peut-être mettre pause. Non, arrêtez! C'est pas vrai, j'ai involontairement fait un truc. D'autres ont des conséquences sur moi. T'as un bouton qui s'appelle prise de contrôle. C'est complètement fou. Réfléchissez bien. Wisely. Bien. Touchez le bouton prise de contrôle lors d'un choix pour écarter les autres joueurs. Ah ouais. Mais bro, t'as ça, moi j'ai pas ça. Oh, c'est après, c'est plus tard. Vous apprenez les trucs là? Non, justement, on regarde pas les règles. Chut. Mais il triche de fou, regarde-le. Attendez, regarde. C'est un gros tricheur de merde. C'est comme le professeur Letton. Ok. Ça, c'est professeur Letton. Pourquoi il est tenu? Non, il y a un billet. Ah bah, il est vachement tenu quand même. C'est professeur Letton, docteur. C'est professeur. C'est qu'un professeur. Oh, pourquoi il a un poil? Oh, le temps est arrêté. Aïe. Attends, attends. Laisse faire sauter. The fuck. Oh là. Non, il faut pas y aller, quoi. Ça va péter. Attention. La hanouche. Pourquoi le flic quand même qui ouvre la porte c'est lui qui est le moins équipé hein. C'est vrai. Vous êtes pas de donner des coups pour une équipe. Je suis chef de police, je fais pareil, je l'envoie à moi alors. Tout nu. On va pas devoir racheter un équipement. Eh oh, y'a quelqu'un. Les amis. Oh non. Amaury. Amaury. Réponds au pire. La bouffe. Allez. Putain, ça corps. Chut, chut. Ok. J'arrive. C'est la bouffe en fait. Ça corps utilise le téléphone d'Amaury. Et du coup. Ah, il y a eu de la bouffe de commander. Amaury a commandé de la bouffe. Et... Ah, ok. Fucking sucker. On commande après. T'as mangé? Tu as parlé le sandwich? Non. Là, il s'en commandera. C'est fait, c'est juste. Comment tu fais pour bien le mettre? Okay. C'est impossible pour moi de le connecter après. Hein. Parce que t'as le. Okay. En fait, non, on l'exclut. Ça qui te gêne derrière? Je sais pas. Crois, attends. Donc voilà. Et en gros, oh, il y a des biographies à lire! Ah ouais? Oh, attends, après, pas maintenant.
Je m'en bats les couilles. Oh, Becky. C'est quoi? C'est jeune recrue. Becky Marnay était une jeune recrue de la troisième circonscription. Attends, bah, super. Vous êtes, vous spoilez, on va les découvrir. Ah, désolé. Ah, mais tu connais Tom Nelson? Tom Nelson, coéquipier de Becky. Tom est le coéquipier de Becky dans la troisième circonscription. J'ai pas fait feu de droite, mais ça te gêne là? Et les deux étaient des recrues de la troisième circonscription. Attends, j'ai peur qu'on m'entende mal. Non, mais t'es pause, mais t'es pause. Non, c'est bon, il arrive. T'inquiète. Ah, c'est elle, agent. Oh, salut Becky. On y va, t'es prête? Ok, Becky s'échappe. On y va doucement. Mais c'est toi? Comme dans le manuel. Regardez l'eau noire, c'est ça quoi? Regardez la lumière, l'eau, c'est magnifique. Oh, votez pour un choix en plaçant votre pointeur dans la case. Okay. Ah, c'est majorité. Vous devez atteindre une majorité pour avancer dans la partie. Ok. Ah, c'est trop bien. Vous jouez une carte prise de contrôle pour écarter vos amis et leur imposer votre choix. Okay. Vous commencez avec une seule carte. Vous pourrez en gagner d'autres en réalisant des recherches et des événements rapides. Si tu veux. Dans ce choix, vous utilisez gratuitement votre prise de contrôle. Pourquoi ne pas essayer? Touchez le bouton « Prise de contrôle » lors d'un choix pour vous imposer. Tiens, bim, c'est moi le chef maintenant. Ça, t'as dit ces prises de contrôle. T'en as plus maintenant. Après, tu vas te faire des petits. Non, il a expliqué que c'était gratuit. Contrôle. Mais oh, il se sait comment, quoi, genre... Il a pris le contrôle, hein. Mais c'est en fait, tu peux me prendre le contrôle sur la prise de contrôle, ok, attends. Ah oui, il faut aller vite, en fait. Tu prends et tu fais direct. Hop, c'est bon. Merde. T'as mis en pause. Bien joué, t'as bien posé. Bon. Dès qu'on entre par la porte de devant. Toi t'es en mode go, c'est le beau jeu, c'est ça? Ouais. Oh là là, mais toi t'es vraiment le fou. Okay. Très bien. Ouvre bien l'œil. Ok, donc c'est graphique, ouais, faut garder en tête que si quelqu'un prend le contrôle, vous pouvez prendre le contrôle, c'est quelqu'un qui a pris le contrôle en fait. Ah ouais. D'accord. Police! Ça c'est stylé en vrai, hein. Je pense que se séparer c'est le bon choix. Je pense que se séparer c'est un débile. Attendez, okay, le but c'est qu'on meurt ou... Non, le but c'est de réussir. Le but c'est de réussir ensemble. Qui a... m'occupe de ce bah, c'est mon nom, okay. Mais Team Beaujeu, c'est bon. Ok, vous êtes les débiles, hein. Ouais, c'est débile, ça que vous avez pas vu assez de films, hein, ça se voit. Ça se voit, hein. Sur le level là, ça. On est là pour rattraper quelqu'un. Il va en plus bien. Faut se split sur l'écran. Ah, si t'arrives à trouver l'indice. Alors, on les tous. Ok. Écoute, de parler pendant qu'il explique les règles. C'est bon. Ok, faut trouver. Faut trouver des trucs là. Lion, petit point. Lion, petit point. Encore. Oh, ça lag pas, c'est cool. Oh, mais ça lag. Let's go, je trouve un sac. Ça lag un peu quand même. Ça lagouille quoi. Oh, super. What? Allez, bim. Bien joué. Moi, j'ai trouvé un truc, hein. Ouais. On est les seuls qui savent faire des tonnes dans cette équipe. Putain, l'ambiance est trop bien. Allez. C'est vraiment lui. Je te rejoins. Ouais, c'est bon. Travail. T'as trouvé quoi, toi, Melon? Un tableau avec des photos. Bien vu. Et son serveur, on s'est retrouvé, c'est ok. Heureusement. Allez, let's go, chape devant. Chape victime. C'est un cadavre. Pardon. Wow. Ok. Ok, on change de rôle, le mec attaché, j'échappe. Le mec allongé, c'est Wax. Et le mec qui l'attache, c'est moi. Et la meuf, du coup, c'est Melon. C'est ah. Celui qui passait devant, Et Kalan, c'est le piège à rat. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous éclater, hein. Pour tirer, touchez la cible. Oh, arrêtez, me tuez pas. On va le détruire. Réfléchissez bien, on va faire un peu. Moi, je pense que quand il y a un dangereux quand même. Regarde, juste derrière, il y a une arme. Juste derrière, il y a une arme. J'avoue. Ah, vous devriez pas. Oh, non. Les mains derrière la tête, pas de geste de brusque. Gros, c'est foutu, hein. Je l'allume sa grand-mère, man. J'arrive pas. Ok, let's go, moi je me tue. Allez, c'est bon. Il va se faire exécuter. Ouf. Mec, t'as deux chills, Melon, tu m'enculais. Allez, c'est bon, baisse sa mère maintenant. Dans le cœur en plus. Non, c'est pas le cœur, c'est à droite. C'est lui. Le level. Allez, échappe. Non, elle va s'arrêter de coûter. Ah. Oulalala. Ça, c'est un destination finale. Ah, c'est un BG shit. Sauve otage. Sauve les couilles de chape. Otage. Sauve sa cœur. J'arrive pas à y aller. Otage. Moi, j'y suis. Oh, ça lag trop. Aucun des deux, du coup. Les deux sont oh non, la victime. Qui a pas réussi à faire deux choix? Moi, j'ai réussi à aller à gauche. Mais moi, je voulais aller à gauche, mais ils sont mis à droite. Oh merde. C'est le policier du monde. Oh, notre level. Allez, let's go. J'ai rien fait. Wax. Non, on va t'exclure. Hein. Non, c'est bon, j'ai juste une petite déco. Une série de meurtres atroces qui ont frappé la ville. Écoutez la vie aux policiers qui se rendaient. C'est trop stylé, hein. Juste, ça lague un peu. Ouais, ça lague un peu. C'est vrai, ouais, c'est embêtant. Monsieur, on est sur le noir, a pas duré longtemps. On est sur la box du bas.
Ouais. Mesdames et messieurs, sur la box du bas ouais. L'accusé, Jonathan Finn, est 100%. Coupable. Là n'est pas la question. Oh. Votre rôle est de déterminer. Laissez-moi tranquille, laissez-moi sortir maintenant. Cet homme, qu'on surnomme le piégeur, a semé la terreur dans notre communauté de par sa folie. Moi j'ai réussi à me faire un joint. Il piégeait ses victimes pour que les braves agents dépêchés sur les lieux deviennent à leur tour des victimes. L'un de ses héros était l'officier Tom Nelson. Il est mort tandis que sa coéquipière procédait à l'arrestation qui nous a réunis ici aujourd'hui. Jonathan Finn a finalement avoué chacun de ses crimes jusqu'au dernier. Pourquoi ? Parce qu'il veut que vous le voyez comme un humain. Oula. Comme un de vos semblables. Mais ce n'est qu'un subterfuge de plus de la part du piégeur. On ne peut pas se fier à cet homme. Son esprit est sournois, malade et malfaisant. Et rien de ce qu'il pourra dire ou faire ne changera ça. Par conséquent, je préconise comme punition la peine maximale, c'est-à-dire une condamnation. Bien sûr. Mais j'ai rien fait, je victimisais juste Chape. C'était pas Chape. C'était Chape que je victimisais. Mais c'est Chape le mec. Non, c'était la meuf qui est morte. En raison des crimes pour lesquels vous êtes reconnu coupable, je vous condamne à mort par injection létale. Oh là. Ah bah très bien. La séance est levée. Mais du coup, on aurait exécuté sur place, ça aurait été la même chose, quoi. Ouais. En quelle année, là ? On aurait dû le tuer. Ah non, regarde, il y a trop le seum, hein. Mais pas là, oh là, let's go. Par contre, je pense que la juge, là, enfin l'avocate... Kellen, donc. Kellen, il va se faire raglar par Chape, hein. Mais non, mais... Chape est mort. Non, c'est déjà pris le taekwondo, hein, crois pas. Pour voir la progression de l'intrigue. Les biographies, alors, ainsi que les répercussions majeures qui affectent votre histoire. Bill Vanstone. Est-ce qu'on a des biographies et tout ? Oui. Bill Vanston. Daniela électrocuté. Le juge Vanston a condamné Jonathan Finn à mort. Bon, ça on sait. Écoutez ça. On attaque tout de suite la soirée avec notre vilain local favori, Johnny Finn, dit le piégeur. 5 ans que ce pauvre type est dans le couloir de la mort. Monsieur le piégeur quitte la planète bleue dans 48 heures, alors envoyez-lui quelques mots sympas. Surtout si vous connaissiez ses victimes. On vous écoute. Envoyez-moi des mots gentils. Premier appel, à vous. Ouais, où est-ce que je veux dire ? Moi, mon opinion, c'est que ce salaud mérite pire que ce qui va lui arriver, tu vois. Ok, il a pris cher quand il était môme, mais c'est quand même pas une raison pour s'en prendre à nos gars en uniforme. Ouais, je comprends. Mais c'est pas comme si nos flics étaient irréprochables, vous croyez pas ? Super. Et Marnet, par exemple. Promu à la criminelle, récompensé, la totale. Cette fille, tout lui réussit. Et devinez quoi ? Il se trouve qu'elle a les mains encore plus sales que nous autres des bas-fonds. Preuves qui disparaissent, conduite inappropriée, et Dieu sait quoi d'autre ! Merde ! Décidément, on ne peut plus se fier à personne. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est terrible. Dur, hein, ce qui se passe actuellement. Ah, les flics. La naïveté des auditeurs. Ça, les auditeurs, ils se font manipuler, hein. Ça se voit, ils sont manipulés par les médias. Oh, t'as qu'une prise de contrôle, toi, Sakura. On a deux. Est-ce qu'on a trouvé des indices ? Non. Ah, vous avez trouvé des indices, ouais, ça. Et eux aussi, ils en manquent un. Ah, parce que juste maintenant, il manquait un indice. Mais il manquait un indice, il y en avait 3 dans la pièce à part. Ouais. Bonjour tout le monde. Mais vu que ça laguait, bon. On a 2 nouveaux inconnus sur les bras. On accumule les noms rouges sur ce tableau, et pour être franc, ce n'est pas avec des affaires non résolues que ce commissariat a forgé sa réputation. Il n'y a qu'à mettre Marnet la magicienne sur le coup. Il paraît qu'elle a un don pour faire disparaître des trucs. Inspecteur Calvary, évitez ce genre de commentaires. Au boulot. Oh, biographie. L'un de vous va recevoir une intention cachée. Consultez votre appareil et de montrer votre écran. Merde, j'ai mis pause. Putain, Wax ! Comment je me pose ? Tu cliques sur lecture là-haut. Ça buguait. Personne. Ok, il faut deviner les intentions cachées. Si attention. Vous avez l'intention cachée, la réaliser vous rapporte un maximum de points. Let's go ! Quand une chance de la réaliser se présente, utilisez une prise de contrôle ou la persuasion pour tenter d'influencer le vote. Si vous n'avez pas l'intention cachée, vous devez démasquer la personne qui l'a et agir avec vos alliés pour l'arrêter. Démasquez la bonne personne pour gagner des points. Ok. Il y en a qu'un seul, non, qui l'a ? Ok, mais vous trichez pas. Personne triche. Il y en a qu'un seul que... Ouais, du coup, ce qu'on va faire en gros, c'est que vu qu'il y a un seul mec qui a l'intention cachée et que vous n'avez pas notre POV, enfin d'être tel, on va tous fermer les yeux et du coup, c'est comme le loup-garou, c'est en mode le seul qui a l'intention cachée va lever la main pour se signaler. Comme ça, vous savez qui doit faire un truc. Ok. Ok, vas-y, fermez tous les yeux. bon, on sait que c'est pas melon. Ok, oui, comme ça, c'est fait. L'erreur en bruit. Ah, bon, c'est bon. C'est vrai. Fais pas attention à Calvary.
Depuis qu'il t'a mis les affaires internes sur le dos, il arrête pas de jouer les moralisateurs. À ce stade, je préfère l'ignorer. Sérieusement? Tu te sens bien? Tout le monde doit s'accorder sur cette position. Nerveuse. C'est Melon, Melon est nerveuse. L'un d'entre vous a une intention cachée. Bah un peu quand même. Quoi? Attends. Bah. Ok, non, mais il parle par rapport à l'autre, non, c'est une ordure, genre. T'es pas nerveux à cause d'un connard, genre. Arrête, pas vraiment. Ça, c'est toi, Melon, on le rappelle. Hein. Moi, je pense pas vraiment. Non, mais Charles, c'est une petite pute. Tu te fais victime par tes collègues. Charles, ça se voit, il a l'intention cachée. C'est quoi la question? C'est pas vraiment. Bah, c'est juste. En vrai, j'ai pas suivi. Je sais plus, l'autre demande comment ça va et est-ce que ça va. En vrai, t'es quand même nerveuse quoi. Oui, c'est une ordure. Mais non, mais c'est une ordure, genre, t'en fous. Non, mais c'est pas ça. Moi, choisissez là, bordel. C'est pas ça, exactement. Non, mais c'est pas ça. Bon, pas vraiment. Allez, boum. Oui, en ordure. Mais il faut être tous d'accord, donc on va rester bloqué là, les gars. C'est mort, on est trois, on est marqués. Non, c'est bon, allez hop, c'est bon, c'est ordure, vas-y. La plus prise de contrôle. Hop, les, une prise de contrôle gâchée. Ah merde, mais je peux. Ah ouais, du coup, c'est moi qui. Oh merde. Je vais pas faire ça, moi. Bah, tu choisis, du coup. Bah, tu choisis maintenant. Fais chier, vas-y, c'est bon. N'hésite pas à aller à gauche. Voilà, tu baisses ta mère. Tu casses les couilles. Allez hop. Let's go, ça c'est mon bro. C'est mieux si Calvary allait jouer à la marelle sur le toit d'un immeuble. Regarde plutôt tes distances tant que cette connerie d'enquête se termine. Parce que je crois qu'il y a un lien, c'est pour ça qu'elle est nerveuse. Sarcastique. Team sarcasme. Tu veux pas sarcastique? Non, non. Non, parce qu'en gros c'est trop genre. Je fais la meuf, tu vois. Bah ouais, bah ouais. Ça suffit. Ça suffit. Tu regardes. Ouais, t'as pas de pote. Bah si, maman. Inspecteur Marnet, venez dans mon bureau. En boule. Oh, le bousé. Oh, ça c'est travaillé. Écoutez, Marnet, je ne suis pas censé discuter des enquêtes internes en cours. Du coup, lui, c'est d'accord. Ah, mais elle, oui, Marnet, c'est la flic bizarre, là. Inspecteur. Désolé, chef. Mais ne vous excusez c'est quoi, pas. C'est du coup. Oui. Vous êtes un bon flic. C'est vrai. Vous n'avez rien fait d'intentionnel qui aurait pu compromettre la scène de crime. Les faits parleront d'eux-mêmes. Merci d'avoir confiance en moi, chef. Après, quand même, on panique, quoi. On a parfois l'impression de ne pas avoir le choix, mais... C'est faux. Vous me suivez? Oui, bien sûr. J'aimerais le croire. Mais je sais que le piégeur sera exécuté dans 48 heures. C'est dur à porter. D'envoyer quelqu'un à l'abattoir, ça vous perturbe? Qu'est-ce que t'as? En train de le pousser à bout, ou quoi? Genre, oh, let's go. Avez-vous trouvé qui a l'intention attachée? C'est le moment de le deviner. Oh là. Ok, il faut qu'on estime. Si vous avez l'intention, utilisez votre vote pour incriminer un rival. Vous devrez toujours remplir votre mission. Alors ayez. Moi, j'ai aucune. Moi, je sais. Je sais exactement c'est qui. Hein. Ah, ok, c'est bon. Le choix était fait. Attends, pourquoi il me donne pas le choix? Merde, attends, moi j'ai pas pu choisir. Moi j'ai voté. Ah, j'ai voté involontairement. Bon, c'est pas grave. Ouais. Moi, comment on choisit mieux? Ouais, en fait, tu switch gauche-droite et tu montes. Gauche-droite, pardon. Gauche-droite et tu montes pour valider. Merde, my bad, moi j'ai validé Insta. Ok. Chape fait trop l'innocent, genre. Moi j'ai aucune idée. Ok, à voter. Vous pensez à un suspect principal pour l'intention cachée. Alors, tiens, Chape. Chape, c'est victime. Vous êtes déçu, j'ai juste pas de cerveau. Ah, mais du coup, c'est global en fait, c'est même pas personnel le choix du coup. Non, c'est genre, c'est la majorité. Putain. Continuez. Nice, elle a plus les déplacements, en tout cas, c'est cool. Ah, c'est bien ça. Ouais. Nous y sommes. Mais en vrai, elle a vu quand même deux mecs dormir, gros. Ou l'échec de l'intention. Vas-y, gros, tu vois deux mecs mourir. Réfléchissez bien. Après. Mais non, tu peux avoir hâte qu'ils s'exécutent, mais genre. Enfin. Non, t'es mal, gros. Genre, on t'es mal. Deux, au moins. Oui, t'es mal, gros. Genre, tu sais, tu vois deux mecs mourir, tu peux pas être bien. Tu peux pas être mal. Mais arrête de faire les couilles. J'ai hâte qu'ils soient exécutés. Tu peux pas faire ça. Chef, ça se voit. Regardez, il a l'intention cachée. Oh, ça lag. Allez, c'est bon, baisse ta mère, Kanan. Kanan, ça se voit, il a un cerveau, tu vois. C'est pas comme Chap le con. Putain, j'ai pas réussi à prendre le coup. Moi aussi, j'ai essayé, putain. Putain, je voulais faire à droite, là. L'agent Nelson n'est pas mort pour rien. Il est mort par ma faute. J'ai merdé. On aurait dû lui mettre une balle dans la tête, là. Peut-être que quand le piégeur sera sous terre, j'arriverai enfin à trouver le sommeil. Bien sûr. Je meurs, c'est pas sympa. Allez hop, c'est bon, c'est fini. Putain, j'ai eu des accords. Let's go. Voilà, il fallait confier ses problèmes. Mais oui, j'ai pas réussi à reprendre le contrôle là. Plus un point. Bien joué, moi. Personne n'a trouvé qu'il y a une intention cachée. Ah, personne n'a voté pour Si, ça veut dire. J'ai voté pour toi, moi. Non, t'as mis direct. Ah, ça a été direct sur moi. J'ai décalé sur Melon et après j'ai mis toi. Ok. Allez hop, c'est bon, c'est. Ça lag comme ça. Des fois, c'est trop chiant. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bon.
Ouais, moi je suis pas dedans. J'étais dedans. Ah, tu bouges plus. Moi je suis dedans, je bouge plus. C'est bon. C'est vrai que des fois ça galère un petit peu au niveau des déplacements sur le wifi quoi. Pourtant on a un wifi incroyable hein. J'ai reçu ton message. Je vais rencontrer ton client. Je suis désolée, j'ai pas réussi à rentrer. J'aime pas trop l'idée de voir Finn sans que son avocate soit là. On trouve un plan sur la chape du coup. Oui. Merci d'aller lui parler aussi rapidement. Parce que chape va mourir dans 48 heures. Non. Non, c'est moi qui meurs, Sakura. Non, c'était chape au début, on reste sur chape. Bah faut trouver un perso maintenant. Ok, bah faut me trouver un perso à moi alors. T'es Lana. Non, c'est. On sait même pas qui c'est. C'est qui Adam Jones? Vaut mieux que t'as lui parler. C'est toi. Tu as un plan? Ah, oula, attention cachée. Oh là, qui va avoir l'intention cachée? Au pire, on lève pas la main, genre, dans tous les cas, les viewers ils savent. De toute façon, ils vont le voir à la fin, tu vois, du truc. Ça va rapidement, pour rien. Ok. Bah. Ok, c'est bon, c'est parti. Allez hop, quelle intention incroyable. Ok, c'est bon. C'était pourquoi déjà elle doit aller voir qu'un mec, c'est ça? Ouais, bah ouais. Elle doit voir le tueur, non? Ah oui, mais ça on s'en bat les couilles, ça change pas grand chose. Non, elle doit voir un autre mec. Elle doit moi voir je dis qu'Aylan il sait faire son travail. Non. Il est en mode c'est bon, qu'est-ce que tu veux et tout. Je sais comment faire parler les gens. Oui, c'est vrai que c'est moi. Mais non, il a une prise. Je comprenais pas ce que disait moi. Je suis pas d'accord. Ah oui, c'est toi le perso. Oui, oui. Du coup, il y a des prises de. J'obtiens toujours ce que je veux. Je t'appelle après. Ah, si tu vois, c'est quoi ça? C'est le tueur, elle va voir le tueur. Ouais. Bon, du coup, s'échappe. D'après votre avocate, vous avez quelque chose à me dire? Vous avez 5 minutes. Si ça dérape, je m'en vais. Mademoiselle Graves, je n'ai jamais tué personne. Avant, je croyais que c'était Dieu le coupable. À Las Palmas? L'orphelinat? On était des gamins. On leur faisait confiance. Mais je leur ai pardonné. Dieu nous apprend à pardonner. On peut pas pardonner l'offenseur après l'avoir tué. Le pardon, ça marche pas comme ça. J'ai jamais tué personne. Finn, oui. Du calme. Du calme? Je suis sur le point de crever! Et personne ne saura la vérité. Oh, il était en train d'attacher comment une ça meuf. Quelle vérité? Je vais mourir en menteur. Un sale petit menteur. La vérité sur quoi? Les aveux, les meurtres, toute l'histoire! Oh, finalement, vous ne les avez pas tués? L'aumônier, le surveillant. Alors qui? Je veux savoir. Putain. Désolé, putain. Votre temps est écoulé. Les gens des Mongols, what the fuck? Vous en prie. C'est terminé. C'était Adam. Voilà, tu vois, faut que t'apprécies au bout. Non, 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 t'es nul en manier, moi. Ça marche comme ça. On pas de level box. Incroyable. Il les a tués. Merci, merci. C'est pour la merci. C'est qui Adam en fait? Mais justement, ce qu'on essaie de savoir. Ah, Adam n'existe pas. Ça se voit qu'ils ont une intention cachée qui est de faire la meuf. C'est Melon et Wax, ils ont une intention cachée qui s'appelle faire la meuf. Bah non, mec. Je vous écoute. Mais il va falloir m'en dire plus. Adam et moi, on. Ok, ça y balance. On en a pas mal bavé tous les deux. Ça rapproche. Adam a fui. J'ai découvert la drogue. J'ai commencé dès que je suis sorti. Et puis quelques années plus tard, ou quelques siècles, je sais même pas, Adam me retrouve sur Internet. Il arrête pas de m'écrire, encore et encore. Il me ressort toutes ses conneries avec l'orphelinat. Il me dit qu'il sait exactement comment se venger. Alors on passe un accord. Je me livre à la police, je lui donne un peu d'air. Je passe quelques mois en cabane, et puis bam! Le piégeur ressurgit. Ça peut pas être moi vu que je suis là. Logique, non? Une chance pour vous. Une chance? Et le père Rominski à la tête d'un orphelinat? Vous appelez ça une chance? Un renard dans le poulailler. Vous imaginez pas ce qui se passait là-bas. La salle de jeu. C'est comme ça qu'il l'appelait, mais... Je peux vous dire qu'il était le seul à s'amuser là-dedans. Le gros baiser. Oui, il l'a jamais trouvé? Non. Vous pouvez aller voir vous-même. Je suis même pas sûr que l'orphelinat soit encore là. Alors, où est-ce qu'il est? Adam, aujourd'hui? Aucune idée. Comment le retrouver? Il faut un point de départ. Et je sais où. Où? C'est pas... Vaudrait mieux que je vous dessine une carte. N'oubliez pas que l'un d'entre vous a une intention cachée.
quelqu'un vous semble-t-il suspect? Moi je vous le dis, il y en a un qui dit... Genre c'est sûr qu'il y en a un qui a genre... de pas faire confiance ou un truc comme ça, tu vois. Un truc chelou. Non, non. J'arrive pas, c'est la gueule. T'es un gamin, arrête de t'amuser sur sa tête à chaque fois. Que je réfléchis. De toute façon, ça changera rien. Ah, qu'on parle de sa carache. Ah ouais. Bon, c'est bon. On a fait le sarcastique au début. Bataille. Mec, c'est bizarre ce timing là. Au moment où je donne le crayon et le truc là. Sans le deuil. Ouais, voilà. Oh là. Le spray ou pas? Oh, le spray ou pas? Pas toi. Allez, bougez, non, bougez. Battez-vous, ça va, ça lag, ça lag, je sais pas rien. Ah, bah là, on. Ah, oui, putain, merde, il est là. Ok, très bien. Touchez la cible avec votre pointeur. Oh, ça va laguer en plus. Oh non, 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 non. On est foutu. Le premier qui touche la cible gagne une prise de contrôle. Oh, let's go, let's go. Allô. Dernier ou il a dit le premier? Le premier. Ça lag, ça lag de fou. Personne l'a eu. Putain, on va se prendre des coups. Ça lag trop. GG, nice dead. Je fais trop le mec, Chap. C'est où Kalan victime. Vago Insane, il va se le mettre dans les yeux, le truc ou quoi. Ah voilà. J'ai jamais stressé une seule seconde. Chier dessus, je pense que ceux qui avaient l'intention cachée à faire la meuf ont perdu. Il est pas l'air trop énervé. Ça a été, à ton avis? J'en sais un peu plus sur Adam Jones. Il était à Las Palmas en même temps que mon client. Mais il est mort dans l'incendie qui a causé la fermeture. Lana, ton client vient d'essayer de m'agresser, ok? Il a rien fait. Il est dangereux, n'essaie pas de le faire sortir, ça n'arrivera pas. Jamais. Oh non, je suis désolée. Est-ce que il a rien fait. Ouais. Non, c'est pas mon objectif. Alors qu'est-ce que je fais là? Si tu parles d'Adam Jones au juge, peut-être qu'il lui accordera une liberté temporaire pour qu'il aide les flics à traquer Jones. Lana, c'est trop tard. Je pourrais pourvoir en appel. Tout ce qu'on fait, c'est retarder l'inévitable. C'est l'heure du choix. Qui a l'intention qu'à chaque fois? Il n'y en a pas deux. Il peut y en avoir plusieurs. Moi je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, je sais pas, de ce qu'on sait, il y en a qu'une. Ils avaient dit qu'une. Tous ces droite-gauche et pour valider, c'est au bas. Hein. Ok, moi j'ai mis mon choix. Ah bah super, j'ai voté au hasard. J'ai hésité entre deux personnes. Choix, c'est vers le haut. Team hasard. Et entre Melon et moi? Ouais. Il semble que plusieurs d'entre vous soient suspects. Moi je voulais voter Kaelan, voilà, je balance. Wow. Pourquoi nous deux? Rude. Je sais pas. Pourquoi moi? Ouais, pour ça, trop chouette. Je suis beau. Ah les bâtards, ils nous ont mis tous les deux hein. Vas-y, mettez un haut. Là ça lag pas, c'est trop bien. Ça lag que pour continuer, ouais, mais ça sert à rien. Ça lag pas tout le temps, mais ça. Pas assez pour casser le jugement. Finn n'est pas un type bien. Mais s'il meurt, et que tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais pour t'assurer qu'il était le piégeur, tu le vivras comment? De ce choix dépend la réalisation de l'intention cachée. Alors réfléchissez bien. Il y avait le truc faire la meuf, hein. En vrai, bah les coups de Chap, non? Ouais. Parlez-en. En vrai, dans l'absolu, Kalen, tu peux toujours enquêter de ton côté, genre. Ouais. Parce que en vrai, je suis quasiment certain qu'il y en a un qui avait l'intention cachée, genre c'était en mode rester ferme sur leur truc. Et. Il y avait trop le truc faire la meuf depuis le début, il y avait trop d'intentions bizarres. Où elle pouvait faire la meuf, trop de choix. Vas-y, je vais. Et honnêtement, je pense que là, le juge, ça peut être le truc. Je sais pas. C'est tellement pile ou face, hein. Ok, bah non, en fait, je peux rien faire. Ah, en fait, non. Non, tu peux pas. Moi, je crois que c'est d'accord. Statistiquement, c'est impossible qu'il ait deux fois le truc d'affilée. Deux fois le truc d'affilée. Ouais. Attention, c'est impossible. D'affilée. Oui, mais ça change rien. En plus, si c'est possible. Non, oui, c'est possible. C'est pas possible. Okay, non, c'est en train de te brain là. Mec, c'est une chance. Mec, c'est une chance sur 5, bien sûr que c'est possible. La théorie des grands noms, c'est quoi? T'es où? T'es à gauche? Moi, je suis à gauche. Ah, il est à gauche, bizarrement. Melon, arrête. Moi, je me dis, il est à gauche, bizarrement. Moi je te dis, Melon, genre, fais-moi confiance. Melon. Écoute-moi. Fais-moi confiance. Te fais pas berner, Melon. Si jamais tu le fais avoir, t'es pas victime. Melon, je vais juste dire un truc. Sakor, au pire papier ciseau, il perd quasiment jamais sauf contre Wax. C'est vrai. Te laisse pas berner, Melon. Je perds souvent contre Melon. À droite! Contre moi. Donc voilà, bah, tu sais que c'est un bluffeur. Il y a qui à droite? C'est Chap et Sakor, hein, au hasard. Hein.
À gauche, t'as quand même Kaylan et Wax. Hein. Attends, moi, de toute façon, attends, je vais faire quoi, moi? De toute façon, on sait très bien que c'est Kaylan qui a la carte. Déjà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Kaylan ou Wax? Maintenant, j'hésite moins avec Melon. Quelle parce que Melon, s'il avait eu la carte. C'est toi ou Kaylan qui a la carte? Parce que Melon, voilà, il avait le choix facile, tu vois. Bah, GG pour vos points. Voilà, GG pour Wax. Parle-en au juge et vois ce qu'il en pense. Je t'en prie, Félicité. Je vais parler d'Adam Jones aux enquêteurs. Ils trouveront peut-être quelque chose, je sais pas. Tu vas faire la meuf fermée là, casse les couilles. Il a fait trop la meuf, tu vois. Fermer, aucun rapport. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Tu dis, oui, mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu disais. Bravo Wax, on n'a rien pu faire. Tu vois, voilà. Laisse-les faire la meuf. Putain, Melon, je t'avais dit. Bon, du coup, vu que j'ai fait au hasard, j'ai eu de la. Vous avez quand même des points parce que vous avez trouvé. Oui, j'ai trouvé que c'était toi. Surtout que ça n'avait aucun rapport. Melon, c'était évident. C'était pile ou face. C'était évident que c'était Wax. Non, en plus, non. Pourquoi c'était évident que c'était moi? Ça sautait aux yeux. Ça se voyait sur tes réactions, ça se voyait. Dis-moi pourquoi. Ça se voyait parce qu'en vrai t'as pas hésité un seul instant à la fin et sachant qu'il y avait 2-2, oui, mais justement tu on peut choisir. Déterminer le choix. Ouais, genre, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Kaylan, j'ai pas hésité. Non, Kaylan, genre, je suis la gauche straight. Kaylan, il avait pas le cerveau là-dessus. Alors que moi, s'il avait le choix, tu vois, d'influencer le cours de la partie. En fait, tu me suspectais pour des trucs qui avaient aucun rapport d'avant. Ouais, c'est vrai. C'est bon ça. En gros, l'intention cachée arrive que le moment où ils te disent il y a l'intention cachée maintenant. Après, moi, non, parce que tout à l'heure, il y avait quand même un peu avant. Ouais, un petit peu, mais. Donc, ouais, c'est un peu sur les choix d'avant. Il se fout de moi. Hein. Non, c'est vrai. Tu te fous de moi, Wax. Non, je suis sérieux. C'est comme le loup-garou, les gars. Hein. C'est 33 heures avant l'exécution de Finn. J'adore. Moi, je veux qu'il crève, Finn. Hein, donc... Même s'il a son intention cachée. Tout ça, c'est un beau ramassis de conneries. Le dossier est en béton. On l'a pris en flagrant délit, bordel. C'est pas faux. Tu veux que Chape meurt, pas ça. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi on devrait écouter cette ordure? Soyez prêts pour une nouvelle intention cachée. Let's go. Si vous avez l'intention cachée, la réaliser vous rapportera un maximum de points. Quand vous aurez une chance de la réaliser, utilisez prise de contrôle ou la persuasion pour tenter d'influencer le vote. Mais il n'y a plus que Melon qui a des... pas persuasion aussi. La persuasion, c'est... Oui, c'est nous, tu parles, quoi. Style... Il dit quoi? Il dit que... Oh, ok. Attends, quoi? J'ai pas suivi. Le dossier était béton. Calvary, regarde, c'est marqué Calvary deal, le dossier était béton. C'est ça. Ah oui, bien vu. C'est vrai que ça était... Ouais, après, vu comment on a réagi tout à l'heure, ouais, c'est plutôt en mode bon. J'essaye de ne manquer aucun détail important. Là, on est RP là. Je sais qu'ici c'est un concept plutôt étranger. Je vais pas frapper un procureur. Qu'est-ce qu'il a? Oh, the fuck. Qui c'était au juste Adam Jones? Son nom a été cité au cours de l'enquête? Ouais. Il y avait un Adam Jones à l'orphelinat. Mais devinez quoi? Ce pauvre type est mort dans l'incendie qui a fait fermer l'établissement. L'histoire va pas plus loin que ça. Finn choisit bien son moment. Vous croyez pas que c'est du vent? Melon. En vrai, il faut quand même. Ah, faut suivre la logique. Au petit musique. J'essaie juste de couvrir. Ah, mais ok, bah, c'est bon. Oh, le super. Mais oui. Je crois qu'il nous ment. Je me demande juste à quel point. Finn m'a dit que Rominski avait une salle secrète à l'orphelinat. Il appelait ça sa salle de jeu. C'est là qu'il menait ses activités extrascolaires. Ça vous dit quelque chose? Non, sinon je m'en souviendrai. C'était pas dans le rapport. Je me demandais, monsieur Hillary, alors, quand vous avez analysé les corps des victimes du piégeur, est-ce que vous avez trouvé quoi que ce soit qui aurait pu nous conduire à un autre suspect? Oh, merci beaucoup. Voilà. 25, c'est qui? Merci, bro. Il y a au moins 5 ans. Vous êtes 53 ans. Merci à toi. Donc, pas de raison de suspecter quelqu'un d'autre que Finn. Je me rappelle que j'avais seulement remis une analyse partielle des preuves parce que monsieur Finn avait avoué. Je m'étais dit que c'était réglé. Il y avait donc d'autres preuves à analyser. Eh bien oui, des traces infimes. Vous avez accès à toutes ces données? Eh bien... Non, attendez une petite seconde. L'affaire est close. C'était débile, hein? Finn avait un mobile. Il en a bavé à Las Palmas. Il détestait la police. On a même trouvé ses cheveux sur une autre scène de crime. Dans le mobile home, c'est ça? C'était l'assistante sociale? Et, inspecteur Marnet, voulez-vous bien me rappeler ce qui s'est passé cette nuit? Je peux vous la résumer en deux mots. Occasion manquée. On aurait pu passer les menottes à Finn et classer l'affaire. Ouais, je pense que c'est sa grand-mère. Ça se voit qu'il y a un truc. Il fait trop les films, mec, de fou, là. Non, mais il y a un truc dans la police, là. Bon, l'a insulté, là, c'est bon. Go style, hein. Je suis absolument d'accord avec Chapeau, quoi, l'insulter. Je crois que le dossier est clair. L'inspecteur Marnet a fait preuve d'un grand courage dans une situation délicate. Si vous voulez bien, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé. Marnet, c'est la fille sur... Ouais, c'est la meuf qui était au début. Bien sûr. C'est des fois il l'appelle Betty. Catherine Hope était assistante sociale à l'orphelinat Las Palmas. On ne savait pas que Finn la tenait.
On a eu un 18 au terrain de caravane de Hoghaven sur l'entier. Une effraction en cours. J'étais pas loin, alors j'y suis allée seule. C'était un contrôle de routine, mais... cette nuit-là, tout le monde était à cran à cause du piégeur qui s'amusait à se mettre le cabot. Et chacun de nous pouvait être le suivant. Ah ouais, il y a 5 ans quand même. Ouais, c'est juste avant l'arrestation de Fiab. Non, c'est 3 ans avant. Non, c'est 3 semaines avant. Il est resté Fiab, il reste 5 ans au bout de la mort. Ah ouais? Ok, ok. Il leur a eu un truc à elle, de perso. Il a fouillé la zone avant de rentrer. Ouais. Ce qui est logique. Il a nos... Oh, c'est un beau jeu. Vous êtes totalement. C'est un beau jeu. Vous êtes nos brainless. On s'en bat les couilles, c'est passé il y a 5 ans, elle peut pas mourir de toute façon. Oui. Ouais, mais même, c'est pas qu'elle doit mourir, c'est pour ça qu'on a plus de preuves. C'est vrai que j'ai pensé à ça. C'est pas grave si elle meurt. Eh non, c'est melon, non, il peut pas mourir. Non, mais elle peut pas mourir, mais on peut peut-être trouver des indices. Voilà la télé. Oh, le blanc. Oh, des indices. Tu vois, on peut trouver des indices. Ouais, peut-être qu'il y a deux trucs dehors, tu vois. Let's go. Non, c'est moi. Let's go, j'en ai un. J'en ai un. C'est bon aussi, gros. C'est qui l'a mis? Moi, c'est la guêpe. Ouais, c'est la guêpe, c'était agréable. Oui. Ouais. Du matériel, il y a des bombes. Ok. Allez hop, la prise de contrôle. On a une? Hein? Oh, regardez sur l'écran des autres. Hein. Oh là. J'ai votre play-shop, t'as là. Un chat. Il est bizarre ton chat. Une noisette encore. Il fait caca partout. C'est vous crier en vrai. C'est quoi ça? Oh non, ça va péter en plus. Ah oui. Oh. Oh bah sympa ça. Bah, c'est HD hein. Stylé. En ont peut-être influé sur sa vie ou sa mort, parce qu'ils n'ont pas encore dit si elle était morte ou pas. Hein. Elle a montré un truc avec ses yeux là. Elle, tu parles, la meuf? Ouais, ah oui, l'assistant. Peut-être, oui. Peut-être. Je crois pas que Xavier, c'est. Allez, je cours. Ah, super. Hein. Merde. Ok, ok, ok. Regarde derrière toi. Faites pas de bruit. Qui vous a fait ça? J'étais dans un bar. J'en et puis c'est là. S'en fout, bougez-vous. Je me suis réveillé. Il y avait un bip bip. Je me suis il parle tranquillement. C'est un débile, quoi. Aidez-moi. Écoute, Catherine. Oh là. Oh bah voilà. Oui, il serait peut-être tenté de se dépêcher. Marie, c'était toi ça. C'est bon, je me. Oh, Lady, elle va pas mourir, tu peux pas mourir, go aider. Ouais, j'avoue. Ok, j'ai attiré. Je me suis cassé. Hein. Je suis victime. Je suis déjà dehors. Sortez-moi d'ici. T'as vu la grosse salope, elle arrive, elle vole les elle se casse, genre. Oh bah. Non, mais c'est chiant, victime. Voilà, grâce à mon indice. Ah, ça va, non. Faites vite. C'est bien le beau jeu, c'est bien le beau jeu, le beau jeu. J'espère que ça va s'arrêter à une seconde au moins. C'est risqué, si tu cassais pas la vitre avec, tu faisais quoi? Oh, let's go! Heureusement qu'on est pas parti comme des petites salopes, chapeau! Comme chapeau! On fait le beau jeu. C'est vrai qu'on a trouvé un indice. Son melon, il pouvait pas mourir. Bah oui. Donc fallait tenter dans tous les cas. Surtout, on avait trouvé aucun indice, il se serait passé quoi? Je pense qu'il l'aurait dégrafé. Il a dû vous voir sa mère. Il a filé avant de filer. J'avoue qu'il y a aucune autre chance. Ouais, il a même pas eu le temps de prendre son matériel. C'était courageux. C'était débile, il est tout seul, mais bon, c'était un peu courageux quand même. Attends, ouais, je sais pas, après, genre, c'était courageux, ça sert à rien. Tu vois, c'est de dire un truc pour dire, bah, ouais, c'était cool, tu vois. Alors que si tu poses une question, tu peux avoir une réponse, tu vois, genre en mode. Bah, là, ça peut pas être intéressant. J'ai essayé de boucler le périmètre, mais. Finn était déjà loin quand les renforts sont arrivés. Comme par hasard. Vous avez relié Finn à la scène? En fait, c'est mon amant. J'ai découvert un cheveu de Monsieur Finn sur la scène de crime. On a comparé l'ADN à ceux de notre base de données. Le test s'est avéré concluant. Il était déjà dans le système. Finn a fait tellement de séjours au poste qu'il avait pratiquement son nom sur la boîte aux lettres. Quand on nous a dit qu'il avait été vu dans un squat, on était justement en patrouille dans le coin. À croire que vous attirez les emmerdes, inspecteur. Au moins, je l'ai coincé. Connard. Maman, c'est en colère. C'est trop le mec aussi, lui. Lui, c'est une taupe. Hein. Il est pas. C'est un bâtard, je l'aide pas, lui, c'est un fou. Hein. Oui. Baptiste Lane. Oh, super. Baptiste la haine. N'aide pas du tout. Excusez-moi. Autant que je sache, c'est mon affaire. Et j'ai fait condamner le type. Ah, c'est pour ça qu'il a le savoir. Qui vous êtes pour remettre en cause mes compétences? Je suis le procureur. Il a avoué. Il a condamné parce qu'il a avoué, c'est tout. L'affaire du piégeur a secoué tout le monde. Je crois qu'on a remué assez de couteaux dans nos vieilles plaies pour aujourd'hui. Sergent. Je crois qu'on a fait le tour.
Vous avez d'autres questions? Allop, Kalen, tu dégages. Autoritaire. Allez, c'est bon, maintenant, c'est... tu me parles oui, de... dossier, donne le dossier, donne le dossier. Tu me parles ouais, vas-y, on avance, on avance. Ouais, c'est bon, c'est... juste poli, vous m'avez reçu, merci de m'avoir reçu. Pas pour ça, Marc. Ah oui, pardon, parce que c'est avec Kalen. On a prélevé des échantillons quand il a été placé à l'orphelinat? Oui, certainement. Est-ce qu'il serait possible de ressortir ces dossiers et les comparer aux preuves trouvées sur les scènes de crime du piégeur? Vous vous foutez de moi? Vous voyez pas que vous faites perdre du temps à toute cette division? Elle a cassé les couilles. On l'a fermé dans le cul. J'ai une meilleure idée. On va laisser Staré crever sur le billard. Calvary, stop! Monsieur Hilary verra ce qu'il peut faire. Merci à toi, Jiren Sayan, pour le sub. Merci, Jiren Sayan. Merci. Merci, mec. En plus, il fait trop le beau, genre il l'a coincé, il l'a condamné et tout, mais il a juste avoué, Finn. Mais oui, non, mais il a rien attrapé, fait, il a même pas utilisé les preuves, il a dit. Ah, ah, c'est... Non, mais non, c'est toi qui l'as attrapé en plus. Au moment oui c'est l'heure du c'est chaud là, j'avoue que. Non, il a rien fait en fait. Intention cachée, selon vous. Mais il s'est rien passé en fait. Rien, enfin, je comprends. Si, si, tout à l'heure, genre, tu pouvais un peu deviner, tu vois, par rapport. Voilà, on peut pas deviner en fait les intentions cachées. Ouais, c'est chaud. Pas trop vite. Je pense que j'ai une suggestion. J'ai une suggestion sur l'intention cachée. J'essaie de regarder vis-à-vis du chat en même temps. Validez pas tout, c'est genre le dernier, attends un petit peu. Comme ça, on va voir les retours. Hein? Après, ça change rien. Non, mais c'est pour l'interaction un petit peu. Ah oui, je vois, je vois. Il y a beaucoup de chap. J'ai un chap 100%, chap la fille. Chap, 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 moi j'aurais dit chap aussi. Moi j'ai mis chap. Moi j'ai voté chap. Hein. J'ai mis chap parce que. Il... Comme ça, vous pouvez voter chap. Il déviait souvent sur les choix qui étaient parfois assez évidents. Okay, Kélan est trop gentil. Chapeau con, j'ai l'air con. Et tout à l'heure, quand on a dit chap, il a dit ah bah vous verrez, vous serez genre vous serez grave déçu. Là, il a fait bah ok, va pour ça. Tu vois. Genre, c'est victime tiers. C'est ok, ok, ok. Mais là, qu'est-ce que cette épouse? Cette épouse 100%. Si votre choix est-elle. T'as voté qui toi? Il m'achève, j'ai l'impression. C'est incroyable. Ouais, c'est bon, si tout le monde disait qu'il savait voter chat, je voulais pas être le seul con qui se trompe. C'est quoi ce raisonnement, Melon? Qui a mis Galan? Ne voulait pas être tout seul. Parce que non, mais c'est trop hasardeux, ouais, donc il n'y a pas de beau jeu à faire. Calvary est un con. Voilà. Bien vu. Vous n'en faites pas pour ça. Vous m'avez bien aidé. Vous avez pas Narcus? L'intention va-t-elle se réaliser? Ah. Ah, c'est bon. Oh, vous êtes libre ce soir, let's go! Let's go! C'est bon, on revoit, dégage tout de suite ça! Dégage tout de suite de là! Non, mais c'est en mode on fait avancer l'histoire! Non, non, mais ça fera pas avancer l'histoire. Bah super, Kalan, bon. Bien joué, tu t'es grillé tout seul. De quoi? J'espère que t'es fier de toi. Hein. Bah merci, Chap. Let's go, dans c'est ton bon, cul. C'est bon. Allez, c'est bon. Allez, Kalan. Putain! Allez, free quoi, win. Mais je sais même pas en fait. Ah, d'accord. Hein, je te cache pas que j'ai oublié en fait. Ah, c'est vraiment le winter. Je savais qu'il y avait un truc avec Felicity, mais c'est tout. Donc j'ai essayé de faire en sorte que Felicity soit contente. Bienvenue à droite. Il a même pas réussi. Donc c'était 3-2 en plus. Tu peux la revoir, hein. Oui, tu peux revoir ton truc. Bah, après, c'est cramé si jamais il revoit. Oui, voilà, c'est en mode. Enfin, ouais, vas-y. C'est fait cramé de fou. Je me bats les couilles sur mon téléphone depuis tout à l'heure. D'un coup, je suis en mode. Tiens, regardons les biographies. Tu peux faire ça discretos, tu sais. Quand t'es comme ça, ouais. T'as vraiment trop fort, 150 points. En vrai, choix, j'aurais. C'est j'aurais, trop bon. Quoi. J'aurais fait pareil que Galen, j'aurais fait ça, mais vu qu'il y a l'intention cachée, bah j'ai pas fait. Après, y a le... vous pouvez forcer aussi, hein. Oui, tu peux contrôle. Faire prise de contrôle. Ouais, mais je peux pas, moi je suis pauvre. Cible numéro 1, Rupert Walsh. Trouvé ton appart. Croque-mort local, alcoolique. Aucun lien apparent avec l'orphelinat de Las Palmas. Après le meurtre, le piégeur a relié un fusil à la porte du motel et le premier agent arrivé sur place a été tué. Deuxième cible, Frédéric Lemay, surveillant à Las Palmas. Trafic de drogue, agression, pas de condamnation. Le piégeur a laissé le corps dans le noir complet et a bourré la lampe avec du C4. Le premier agent sur les lieux a actionné l'interrupteur et sayonara. Troisième cible, le père Rominski. Le piégeur lui avait greffé des explosifs dans le corps, prêt à sauter s'il bougeait le moindre muscle. Il l'a fait s'agenouiller comme pour prier et l'a obligé à... Ah, c'était lui. Confesser ses péchés, à savoir les maltraitances dont lui et sa bande étaient coupables à l'orphelinat. L'appel a qu'on a été vu mourir. Par... Ouais. Hmm. C'était le sergent Taylor. Hypothèse. Si les premières victimes n'avaient aucun lien apparent avec Las Palmas, tous les officiers qui se sont rendus sur les lieux faisaient partie de la troisième. Y compris l'inspecteur Marnet. Et si les premières victimes n'étaient qu'un leurre? Et si les véritables cibles, c'étaient les agents de la troisième? Pourquoi les viser eux? Contact. Qui voulez-vous appeler? C'est trop le mec qui est là. Préparez-vous. Voici une nouvelle intention let's cachée. Let's go. On appelle le président, intention allez, cachée. Let's go, let's go. Ce que je fais du coup, pour l'intention cachée, vous m'entendez ou pas? Ouais. Okay. Pour l'intention cachée, en gros, je vais mettre un stropole dans le chat. Okay. Je le spammerai pendant toute la partie et tout. Et à la fin, on verra ce que voit le chat. Ok. Okay. En gros, on va vous mettre un stropole dans le chat. Faire une petite Il va vous mettre un stropole dans le chat et vous pourrez voter pour qui. Ah, t'as un micro. Oui, t'inquiète, t'as un micro, j'ai pas un micro exprès. Ok.
Sergent Rick, c'est Sakor et Becky, ouais. C'est qui c'est Melon du coup. Même Becky, elle est suspecte. Donc n'hésitez pas à voter, je remettrai pendant la. Mais non, Becky, c'est Melon. Becky, c'est Melon. C'est moi, Becky, c'est Melon. Oui, Becky, c'est toi. Becky, c'est celle au début qui a vu son pote mort mourir. Le truc, c'est que Becky vient tout juste de dire. Il vient tout juste de dire Becky, elle était genre sur le truc là. Tu vois ce que je dis ou pas? Elle vient tout juste de dire là. Becky était genre sur le liste des trois machins là. Moi je veux pas confiance à ça. Mais non, non, mais non, okay. Mais non, mais pas du tout. On va tous être d'accord. Parce qu'en gros, non, elle pas confiance à ton perso. Genre. Mais oui, non, elle parlait du sergent Riggs. Genre. Par contre, les gars, non, elle parlait de Marnay, c'est Becky. Marnay égale Becky. Je vais refaire un stropole parce qu'en gros, si vous votez maintenant, on peut pas revoter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre parce qu'en gros, elle a dit tous les agents de la troisième qui sont rendus au truc. Oui, mais est-ce que Becky était dedans? Oui, non, oui, Marnay, Becky, c'est un truc de la troisième. Je sais pas, tu parles trop, je te fais plus confiance. Ça va aussi. Tout à l'heure, genre, j'étais pas suspect, hein. Trop tard, je te fais plus confiance. C'était les cibles, c'était les cibles de la troisième, c'était pas les contacts, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est les mecs qui sont morts à la troisième. Et Merrick, c'est le boss des tout. Ok, Wax, il parle trop, maintenant, je fais plus confiance à Wax. Vous voulez, on va jamais s'en sortir là. C'est qui sergent Riggs exactement? C'est moi. Riggs était le sergent de Becky à la section criminelle, donc Riggs c'était le supérieur de Becky. Voilà. Au pire, Melon, tu choisis et tu prends la décision et nous, on doit changer là suit. Où tu prends. On te suit, moi je te suis. Ok, allez, quoi, je te suis. Meuf le Melon. Melon, sinon, utilise un truc forcé, hein, genre t'as un 3. Non, mais elle est à gauche, on a dit qu'on est à la gauche. Mais si je veux être à droite. Ok, vas-y, go. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bah, si tu veux utiliser un truc forcé, là, on a 3. Voilà, utilise un truc forcé. Mais on a la majorité, la majorité, c'est bon. Non, ah non, vous devez tous être d'accord. Et en tant que pauvre et membre de la plèbe, j'ai besoin de vous appauvrir. Réfléchissons. Alors attends, il y a plusieurs choses déjà à prendre en compte. Ok. Alors déjà numéro 1, on va checker vite fait les biographies. On peut demander au chat aussi. Alors déjà numéro 1, non, mais... la première truc, c'est quelqu'un d'attention cachée. Oui. Qui a pop juste avant ça. C'est ça. Ensuite, Becky, on va voir un truc. Alors, était une recrue de la 3ème circonscription, elle a été transférée à la criminelle à la suite de l'arrestation du piégeur. Elle a ensuite été accusée de mauvaise gestion de preuves. Ok. Et Riggs, il est où? Parce qu'en gros, moi ce que Becky, je pense. Becky, c'est peut-être une tricheuse et une menteuse. Moi hein. Ce que je pense de Becky Marnay là, c'est que depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, ils nous disent genre elle a fait disparaître des preuves et tout. Donc je la sens pas digne de confiance alors que le sergent Riggs, depuis le début, il a toujours été coopératif. C'est vrai. Il a toujours été coopératif. En fait, je sais pas, moi il me semblait un peu suspect genre dans sa façon d'être. Oui, genre il force. Mais Becky, tu vois, genre il y a tellement de trucs qui l'incriminent que. Tu es du genre à péter un bras sur un bras de fer, quoi. Ouais, je pense. C'est ce genre de. Tellement de trucs qu'il a. Ouais, je sais pas. Ouais, tu vois, je sais pas. Moi, je pense que. En fait. En fait, Becky, on l'a déjà en fait, beaucoup parlé, tu vois. En fait, le problème aussi qu'il faut se dire, c'est que dans l'absolu, genre s'il y a le. Ce qui nous fait entre guillemets peur, c'est qu'il y a une taupe, en fait, c'est tout. Oui. En gros, dans l'absolu, c'est quoi le plus grave? Imaginons que c'est le chef que la taupe et qu'on va voir le chef. C'est quand même beaucoup plus grave que si c'est Becky la taupe et qu'on va voir Becky, sachant que. Bah non, c'est pareil. Non. Si c'est le boss de la prison et qu'on lui donne des infos, il aura beaucoup plus d'impact que la simple flic. Oui, mais ça se trouve, c'est elle aussi qui est genre au-dessus. Ça se trouve, elle sait des trucs que le sergent ne sait pas. Et on a pas mal parlé déjà à Becky. Alors que ça sent quasiment Becky, pas mal. Becky, de toute façon, autant plus d'aller parler à un gosse, genre de savoir un peu ce qu'il en pense. Becky, elle a risqué sa vie pour sauver l'assistante sociale aussi. Mais bon, en même temps, ça, c'est un flic. C'est une bonne meuf. Oui, mais bon. C'est gentil. Parce qu'en vrai, il faut sauver le beau jeu là. Enfin, vrai, parce que non, mais Becky, on a déjà beaucoup parlé. Melon, appuie sur ce golden bouton. J'ai mis un stropo dans le chat. Au pire, le chat décide. C'est pas il décide, mais c'est pour vous donner. Non, c'est pour le chat. Vas-y, la Melon, tu sais un truc, t'en as 3. Tu vas jamais t'en servir. À vous, sert-toi des trucs là. Bah, toi aussi, l'air bête, t'en as. Mais j'en ai qu'un. Les gars, eux sont 60% pour appeler Becky. Et 40% du coup pour le sergent. Y'a combien? Sur 200 votes. 60 pour Becky, 40 pour Riggs. Voilà. Okay. Mais parce que Becky, en fait, ce qu'on a fait. Merci à toi, Jazzo33. C'est pas logique parce qu'on lui a dit. Il nous a dit d'aller parler. On a fait, vas-y, c'est bon, non, je me tire chez moi. Ce serait bizarre après de la rappeler, tu vois. De la logique de l'histoire. L'important, c'est d'arriver à trouver la vérité dans l'histoire. Je suis d'accord. Mais Becky, elle a tellement de trucs, genre, il y a tellement de choses qui disent. Genre, en mode. Allez, putain! À chaque fois dans toutes ces. Allez! Oubliez pas que. On s'en bat les couilles! Oubliez pas que Melon, il a 3 trucs pour forcer le show. Il y a vraiment un problème. Enfin, Kaylan a découvert des trucs comme quoi, genre, il y avait des trucs suspects, etc. Et globalement, elle va enquêter plus. Le problème, c'est que si elle va voir Sakor, vu que c'est le boss, genre, il y a beaucoup plus de chances qu'il refuse de l'aider, ne serait-ce que souci de procédure, que Becky, que Melon, qui est une simple flic, et qui du coup, elle pourra. Contrairement à ça, genre, depuis le début, simple genre, le mec, il est en mode. Si tu veux, je t'aide. Je vous suis, moi. Je suis le registre. Plus de chances que tu en vas voir. Ah, bah, je t'ai dit que je t'allais t'aider, donc je t'aide. Justement, tu vois. C'est suspect. Donc, c'est genre, en soi, quand c'est aussi flou, il peut te très bien, justement, te dire faire le mec super sympa pour que tu viennes vers lui. Parce qu'il a bien vu qu'elle a décidé. Justement, mais c'est à ce moment-là que nous, quand on viendra le voir, on dira pas tout. Le chat a décidé d'un choix. On pense certains trucs.
Bah, il faut réussir à. Là, tu vois, le chat a décidé quoi? Ça va être le mind game. C'est déjà lourd, s'il te plaît. On peut toujours choisir de parler plus. Allez! Mais non, en haut à droite là, appuie! Le chat demande. Mais se mettent pas d'accord! Moi je reste sur Riggs. Ça accord. Attendez avant, le chat demande l'avis de Julo. Parce qu'on ne connaît pas le jeu. Julo, trop loin. Oh Julo! On va pas avancer quoi. Allez, Melon, s'il te plaît maintenant. Bah toi, donne un avis, réfléchis et dis par rapport à ce qu'il dit. Moi j'ai dit c'est Sergent Riggs, voilà. Voilà, moi je pense Sergent Riggs. Pas, il parle, il arrête pas de parler! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le mien. C'est moi, j'ai le 2. J'ai le 4. J'ai le 3. J'ai le 6. C'est quel est le 6? Ah, c'est Melon, c'est Melon. Bah ouais, moi. Melon! Je sais pas, il est full batterie, je sais pas. Allez! Melon, s'il te plaît, putain! C'est pas bon là, tu m'entends mal? Ouais. S'il te plaît, Melon! Mais t'en as 3! Parce que moi j'ai une argumentation, tu vois. Et alors, c'est une question de merde, tu vois pas quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est sur une question de merde. Genre, en gros, les deux, on est sur des trucs, c'est logique tous les deux. Tu vois, nous deux, on est sur des trucs logiques tous les deux. Ok, on fait plus. En fait, le problème, c'est entre guillemets, dans la vraie vie. C'est bien si on pouvait aller voir les deux, tu vois. Moi, dans la vraie vie, par contre, le truc, c'est qu'il faut savoir qui est-ce que tu vas voir en premier. Tu vas voir Riggs en premier parce que Becky, c'est la personne plus fragile. Moi, je suis chaud pour voir que c'est Sakura, il faut aller chez Fumi et je vote pour le gagnant. Je vais d'abord voir Becky parce que dans l'absolu, en fait, tu vas voir le boss et que tu commences à lui parler. Mais là, c'est différent. Vas-y. Tu vois le boss. C'est trop chiant de jouer avec eux. Tu lui expliques tes problèmes et tu lui dis qu'en gros, globalement, t'es pas entre guillemets satisfait de comment ça a été fait, que t'as envie de fouiner, c'est globalement ce que tu vas faire. Mais en fait, lui. Arrête ça! Arrête! Parce qu'en vrai, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller voir Riz parce qu'on l'a pas beaucoup parlé, il était enclin à nous aider. Donc, il était enclin à nous aider, tu vois. Becky, c'est notre victime, tu vois, on a compris, genre c'est bon, on a compris, mais à côté, elle cache un jeu, tu vois. Elle cache un jeu suspect. Ça se voit. Chap, reste avec nous. Mais après, en lui parlant, bizarrement, vu comment on fait ça, mec. À chaque fois qu'on a commencé, c'est en mode go, vas-y. Ah, mais bizarrement, à chaque enquête, elle est là, elle est perdue. Elle fait la victime et tout. Mais je pense que elle cache un truc de fou. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça dans tous les jeux narratifs. J'ai l'expérience dans tous les jeux narratifs. Attends, à Pierre Feuzio si tu veux. Bon, bien Feuzio pour des. Ouais, elle est super. Allez, ouais, Pierre Feuzio. Tout ça pour ça. Allez, let's go à gauche. Toi, à gauche. Eh ben, tu sais quoi, je refuse que ça soit. Allez, c'est bon maintenant, ni ta mère. Melon! Melon! On vote à gauche! C'est bon, tu vas saouler. Melon! Voilà, let's go. Allez, Melon! Allez, bah bravo. Melon, non, c'est le seul qu'on a encore. Melon, tu voulais à gauche? Attends, c'est bon. Dans ton cul, que ça corde. Ah, bien joué. Du coup, j'aurai un micro. C'est Felicity Graves. Bonsoir. Bonsoir, désolé d'appeler aussi tard, mais je viens de lire les dossiers et. Vous permettez. Tu vois, on n'a pas le choix. Tu vois. Non, mais on n'a pas le choix. Ah, si, pardon. Tu vois, on a le choix. Pourquoi les piégeras? Déjà, le piégeras, c'est Kaelan. Ouais, moi, je vote pour les piégeras. Vous êtes-il la troisième? Mais non, c'est trop. Ça aurait aussi les. Non, non, cramé, non, oui, voilà, ça. Et à gauche, c'est en mode s'il est impliqué, c'est la merde, tu vois. On va trop révéler nos. Imagine, elle est dans l'enquête. Bah oui, c'est débile. C'est trop direct. C'est Chape à gauche. Chape, je te jure, il cache des trucs de fou. Oui. C'était la carte de visite de ce taré de piégeur. On n'a pas révélé ce détail. C'est Kaelan le piégeur. Vous pensez que les véritables cibles des meurtres du piégeur pourraient en fait être les agents. Mais putain, mais elle hint, enfin je hint aussi du coup. Regardez bien l'écran. C'est l'heure du choix. Qui a l'intention cachée selon vous? Ok. Allez, c'est bon. Ouais, c'est le chapitre. Trop facile. Hein. Entre deux personnes. Moi aussi. Moi, il y a toujours mon nom. Moi, à chaque fois, il y a mon nom. Donc j'hésite, bon. Moi, du coup. Ah, tu parles au micro, du. C'est Chape. Je vais parler en double. T'as voté, Tom Long? Le petit point à gauche. On saura plus tard. On saura plus. Ils sauront plus tard si le show a été le bon. Bien vu. Quel suspect. Est-ce que t'es vraiment ça? T'es peu d'or, hein. Pour info, le chat a voté à 37% pour Chape. Ouais, mais vous êtes tous des débiles. 18% pour LRB. C'est moi qui suis vraiment next level smart aussi. Hein. Vous voyez pas de mobile, vous n'avez pas l'air sûr. Vous n'avez pas l'air sûr, c'est encore une fois une phrase bateau, tu vois. Non, non, justement, parce que vous n'avez pas l'air sûr, ça, en gros, ça la force à révéler plus d'informations. Non, moi j'attaque. Ok, pas de tir pour toi, ça. Je sais que vous faisiez partie de ceux qui ont répondu aux appels. C'est pour ça que je me demandais s'il pouvait y avoir un lien, de la rancune,
Vous connaissiez les autres policiers. Selon vous, y aurait-il une raison de penser que c'est eux que Finn visait? Franchement, je pourrais vous donner des tas de raisons. J'étais dans la troisième, c'est vrai, mais j'en suis partie dès que j'ai pu. Dans quel sens? C'était plein de risques. Désolé, je tousse, je suis malade. Hein. Drogue, pot de vin, ce genre de choses. Désolé. C'était pas des types. La merde, c'est bien. Et maintenant? Ça s'est plutôt bien arrangé après les meurtres du piégeur. Intéressant. Très bien, merci. Vous m'avez été d'une grande aide, inspecteur Marnay. Il n'y a pas de quoi. Et appelez-moi Becky. Elle veut trop pécho. Ouais, merci, Becky. Putain, elle veut pécho à l'aide. C'est bon maintenant. Oh là là, c'est tellement facile. Quoi. Mais non, mais j'ai c'est tellement facile. Regarde, 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 mais comment vous l'avez pas vu? Regarde les points, regarde les points. Voilà, let's go, chat. C'est pour ça que je voulais appeler le sergent. Regarde les deux débiles. Parce que si on appelait le sergent, c'était free win. Chat s'est fait avoir aussi. C'est nos carrières. Tu vas avoir moi? Le chat, non, le chat. Tu sais, c'est nos carrières. Ils ont pas de cerveau. Mais non, justement. Headless Chicken. Mec, ouais, à partir du moment où on s'accorde à utiliser. C'est le seul qui a réussi à partir du moment où on s'accorde à utiliser son truc. Oui, pour après, forcer. Bah, tu l'as counter. Bah, oui. Mais pourquoi t'as pas voté pour lui alors? Ça change rien. Bah, si, tu prends 50 points. Si, tu comprends rien. C'est un mytho, il savait pas. C'est, ouais, c'est un mytho. C'est un gros menteur, c'est bon. Il a voté pour moi, cet imbécile. Ah, là, c'est bon, 250 points. Et je vois pas de jouer de 250 points trop level. Trop bête, Wax. C'est vous les débilos, qui votait à droite? Wax, il fait croire qu'il est intelligent, mais en fait, il est trop bête. Qui votait à droite? Trop con, Wax, tous de QI. C'est toi qui a voté à droite qui a fait tiens dans ton cul. Ouais, c'est vrai, le con, va. Enfermé un peu. Ouais, mais moi, c'était juste pour le counter. Ici, je suis en train sur le 10. Comment il t'a counter, c'est sa corde? Je vais entrer. Je suis rentré dans ta tête. 125 bien reçu, soyez prudent. C'était il y a 5 ans ou c'est tout de suite là? Ah, il tout donne. J'ai pas fait attention. Ah. Ça peut pas être tout de suite, il est en taule et l'autre est mort. On va voir, on va voir. It's not possible. C'est peut-être pas lui. Oh, regarde ça, il y a c'est même la des police. Filets de lumière, on voit la poussière. Y'a quelqu'un. Pas très bien fait. Seigneur Dieu. Monsieur, vous m'entendez? Oh putain. Prêt pour une nouvelle intention cachée? Prêt. Ready pour l'intention cachée. Je rappelle aux viewers que lors... je mettrai l'Ostropole tout à l'heure, à la fin. Donc regardez bien si des gens font des intentions bizarres, des votes bizarres, s'ils parlent trop, s'ils parlent pas. Genre, c'est ça, quand on parle pas, il y a un problème. Romain, il met du temps. Hein. Romain, il a mis du temps quand même à regarder sa carte. Il est en mode. Blablabla. Je regarde ma carte, je me recule bien. Je m'avance vers l'écran parce qu'il faut regarder les têtes de chacun à chaque fois de ce moment. Normalement, t'es fair play, tu fais pas ça. Bah, si, c'est du. Ouais, si, c'est ça. Non, sinon, t'es smart et à chaque fois que tu regardes, tu mets du temps. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'ai pas fait depuis le début. Quoi? C'est pas joli. You guess. La victime, c'est quelqu'un de chez nous. Oh non. Wow. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est encore en train de faire le tri, mais on nous a signalé un mort. Quelqu'un est venu, le corps était piégé. Ça ressemble à un coup du piégeur. Piégeur. Ouais. C'est impossible. Ah, ça sert à rien de dire c'est impossible parce que ça s'est passé, genre. Oui, c'est... oui, j'avoue. Qui? Comment? C'est Calvary. No way. Non, ça peut pas. C'est ridicule. No way. J'ai pas encore tous les détails, c'est on est en train de recoller les morceaux, c'est... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Plutôt moche là-dedans. Merci. Tiens, victime. J'ai jamais aimé Narcus, hein, de toute façon. No way. On va ramasser les morceaux. Il va exploser. Ouais, je pense... Oh là. Oh, il a bien sauté. Je suis bien content que ça mort lui. T'aurais très fort l'explosif, hein. Excusez-moi, évitez de piétiner mon espace de travail. Oula. D'après ce qu'on a trouvé, il semble que Calvary passait du bon temps, charmante compagnie. Compagnie payante. Ouais. On la connaît? On n'a qu'une vague description du gérant, Brune, la vingtaine. Génial. Calvary a vidé entièrement le chargeur de son arme. Mais le seul sang qu'on a trouvé, c'est le sien. Et celui
de l'agent Montesinos. Qui a pris l'appel? Le corps de Calvary était relié à des pièges. Oh merde. Oh. Oui, les indices. Find the indices. Vous êtes prêts? The evidence. Ok, j'en ai un. Il y en a un sur le mur là. Là, sur le mur là, à droite. Là. Oh, let's go. Oh merde, je pouvais l'avoir, je suis un connard. J'aurais pu l'avoir. Je pouvais pas, en fait, moi j'ai trouvé le mien et ça. Ouais, pareil, j'ai déjà été sur le mur. C'est un balle. Tout un chargeur? Si quelqu'un l'a égorgé par derrière, alors pourquoi tirer de ce côté? C'est trop mal. Et si l'agresseur était devant, comment le rater? Ah, le piège à ras, le feu. Oh merde. Kaylan. C'est vraiment lui. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un copieur? Oui, mais ça veut rien dire que c'est vraiment lui. Chut, c'est ton perso, Melon. Débile. Non, tu peux pas dire que t'es débile toi-même. Bon, d'accord. Bon, super. J'ai pas réfléchi en parlant. Ouais, super peinture avec ouais, fais un indice. Allez, regardez. C'est merci Tuteur du 17 pour ton don de 2 euros. Merci à toi. Une cam. Du nouveau. Elle a pas vu la cam. Rien de concluant. Trop naze. Tu rentres trop naze. Tu respecteras. Non. Laisse les yeux. Je pensais à une actrice. C'est des acteurs. Becky. C'est des acteurs. Les... Ah bon ouais. J'ai essayé de t'appeler hier soir. Ah. Tu n'as pas répondu. J'avais pas envie de parler. Où tu étais? Vous savez qui a l'intention cachée? Ah. Ok, c'est le moment. Sérieusement? N'oubliez pas les viewers que vous pourrez voter à la fin aussi. En vrai? Ok, qui est-ce que ça peut être? Mais là, en ce moment, genre, on n'a pas d'indice, c'est ça qui est chiant, putain. Ah ouais, qu'est-ce qu'il veut? Juste chez elle. Ouais, genre, j'avoue. C'est ta mère un peu, non? J'avoue. Sérieusement? Non, mais sérieusement, genre. Mais non, mais en gros, il pose une question personnelle. Je trouve qu'il est un peu envahissant, mais bah oui. Justement, si tu réponds en colère, il va vouloir fouiller encore plus. Bah non, justement, si tu lui dis, bah genre, casse tes couilles. Autre aussi, vous avez fait le rôle. Oh, let's go. Ah. Wow. On est tous en moi. Ouais, on est tous en Melon. Si tu te poses la question, c'est pas pour rien, juste tu t'énerves, c'est tout. Mais en toi, si tu réponds normal, c'est ok. Tu sais que si tu réponds en colère, ça va être suspect. Non, mais c'est chelou parce que, genre, en plein milieu de l'enquête, on me dit, tu faisais quoi hier? Oh non. Oui, mais justement, c'est suspect. C'est pas suspect. Non, mais si tu réponds énervé, c'est suspect. Mais je dis, j'étais chez moi, de toute façon, c'est notre personnage, on sait ce qu'on a fait. Yeux de chasse. Vous, enfin, c'est nous. Aussi. Non, non, enfin, pas, bah, là, on incarne elle. Non, non, c'est donc bon, on sait qu'on a rien fait. Je bien, là. Bah oui, mais on s'en bat les couilles de savoir qu'on est. Dans tous les cas, on s'en fout d'être suspect ou pas. On sait qu'on ne l'est pas là actuellement. Bah, on n'en sait rien. Enfin, à ce moment-là, on ne l'est pas. Dans la déduction logique des choses, on ne l'est pas. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est nous, on doit incarner, on doit chercher l'enquête. Donc là, on doit chercher des indices, on doit chercher des preuves. Melon, ça est reparti pour un tour là. Et du coup, l'objectif, c'est de faire ça. Moi, je veux jeter chez moi. Ça me semble plus logique. Tu vois, genre, c'est ah, c'est pas l'unanimité là, enfin, c'est. Enfin, non, c'est juste vous c'est voter unanimité comme vous là. Avez envie de voter. Ouais. Ok, moi je vais voter. Moi je vais voter aussi. Oh merde. Bon, c'est pour moi du coup. Allez, Melon. Tu crois vraiment que j'aurais pu faire un truc pareil? Non, mais tu t'entends? C'est pas ce que j'ai dit. Oh non, mais c'est la première chose à laquelle t'as pensé. Le mobile. Becky, on commence toujours par chercher un mobile. Je veux juste écarter ça. C'est l'heure du choix. C'est bon maintenant. Qui a l'intention cachée selon vous? Je vous laisse voter. Moi j'ai voté juste par probabilité. Attendez un petit peu le dernier. T'as voté par probabilité, du coup t'as mis Melon, c'est ça? Oui. Attendez un petit peu. En fait, le truc c'est aussi, je me suis dit qu'en fait, si Melon il a une intention, dans tous les cas, il jouera comme il joue d'habitude, en laissant tout le monde faire le choix et en espérant que ça tombe sur le sien, tu vois. Surtout qu'il a 3 trucs, il a Melon. Quand il veut, il gagne. T'apprendras à trop défendre ta merde, Wax. Mais là, de toute façon, c'est après. Hein. Même si vous êtes trouvé que c'est moi, il faut encore. Ah oui, voilà, il faut arriver à le contrer. Hein. Non, je pense. C'est bon, toi aussi. Tu peux l'heure est venue. Dévoilons maintenant l'intention. Oh, c'est simple. Oh, let's go, on va l'accepter. En gros, c'est très simple. En fait, c'était ok. Donc, réfléchissez bien. Le chat. Réfléchissez bien, attendez. Non, c'est là, très simple, les gars. Watch là va vouloir vous manipuler. Non, par contre, c'est simple. Vas-y. On était 5. On est 5. Du coup, non, mais réfléchissez au vote d'avant. En fait, c'est très simple. C'est soit il y en a un qui était hostile, l'un en mode calme. Je suis hostile, reste hostile. Le coup d'avant. Le coup juste avant. Qui était justement pour répondre en mode énervé? Moi, j'étais d'accord qui a beaucoup défendu. Toi et Kaylan qui d'abord était avec moi et après Melon qui est venu avec moi. Qui est venu de votre côté. Du coup,
Mais en les gros, gars, c'est plus entre vous. En fait, c'est ça, bon, on va très faire simple. Foutre. Non, enfin, non, par contre, non, genre. Je, honnêtement, c'est marrant, on va te faire foutre en plus. Attendez, c'est bon, c'est le bon. Chat okay, est à 29% pour Wax, 26% pour Melon, 20% LRB, 14% Kaelan, et Chap est au fond. En fait, je suis au fond du trou, moi. Ouais. Vraiment, Melon, t'as 11%. Let's go. Wax à 30. S'il vous plaît, votez. S'il vous plaît, vraiment. Ouais, faut vraiment voter à gauche. Attends, vous choisi. J'arrive pas à croire. Je vais choisir. C'était toi, Melon, c'était. C'était ça, gars. C'était toi. J'ai pas le temps de changer. C'est pas moi. J'ai pas le temps de changer. Va te faire foutre. Ouais, là, c'est toi qui as l'intention cachée. C'est Melon. C'est cramé à sa dernière. Wow. What the fuck. No way, no way. Holy. Ouais, c'était Chappie. Oh, Chappie. Bonjour, bonjour à tous. J'ai pas le temps de changer. Hein. Je vous braine tellement, je suis tellement trop fort. Je suis trop si du mind control là, j'ai pas le temps de changer. Proposer. J'ai pas le temps de changer. Putain. Je savais qu'un des deux était avec moi. T'as un deux de plus. Mais non, c'est du mind control. J'ai pas le temps parce que tout simplement. Non mais en gros, à la dernière seconde, j'ai vu la réaction de Melon, je me suis dit je vais changer. Et du coup, le mec qui a à gauche, il allait trop vite. Qui a voté pour moi? J'ai pas voté pour toi. Et qui, personne n'a voté pour Chap, hein. Je te cache pas que prochain round, 10% des viewers. C'était trop facile de faire croire que c'était moi qui l'avais. Il y avait que 10% des viewers du coup qui ont voté pour Chap. Et toucher la case quand vous voudrez reprendre. Fin de l'acte 1, il faut servir un verre, je vais chercher des Red Bull. Vas-y, va chercher des Red Bull, c'est bon. Let's go. Putain, je suis à zéro. Pause. Pause, ok, bah pause. Page de pub. Courte page de pub, on enchaîne avec l'acte 2. À l'aise. L'argent. Moi, je croyais que c'était Kaelan à la base, donc.